Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo qui va être dédiée à la magie, à l'apprentissage, à l'enseignement. Je vais tâcher de vous démystifier tout ce que vous devez savoir sur la magie pour ceux qui se cherchent, qui sont attirés par ce milieu mais qui ne savent pas comment pratiquer, qui ne savent pas comment utiliser certains accessoires, certains outils. Et puis pour d'autres qui sont un petit peu plus initiés, qui sont un petit peu plus avancés, eh bien on va revenir aux fondamentales et aux fondamentaux et aux origines de la magie, et puis on va un petit peu réviser nos acquis. Alors, cette vidéo, c'est la première d'une longue, très longue saga qui va être dédiée à plein de choses tournant autour de la magie. Alors, vous le savez, sur la chaîne, je vous ai déjà filmé des sabbats, je vous ai déjà filmé quelques petits rituels, je vous ai déjà parlé rapidement de quelques accessoires, mais comme c'était au début de ma chaîne, et comme entre-temps, vous avez été extrêmement nombreux à venir rejoindre notre secte de l'œil dans le noir... Je suis sûr que pour certains, l'œil dans le noir, ça doit être une secte New Age, un truc. Donc autant leur donner de l'eau au moulin et leur apporter ce qu'ils ont envie d'entendre. Bon, les blagues à part. J'avais envie en fait de réactualiser toute cette saga sur la magie. Puisque non, plus sérieusement, c'est vrai, hein, je vous avais commencé à faire quelques vidéos, mais c'était au tout début de ma chaîne, vous étiez bien moins nombreux, et vous n'allez pas aller refouiller dans les anciennes vidéos, les premières pour trouver tout ça, donc pas de problème, on va actualiser tout ça. Et alors, il y aura deux types de vidéos sur la magie. Il y aura la vidéo pour ceux qui sont abonnés à la chaîne et pour ceux qui ont rejoint la chaîne, pour ceux qui ont souscrit au petit abonnement de la chaîne. D'ailleurs, si c'est pas encore le cas et que vous avez envie de le faire, n'hésitez pas à le faire, puisqu'à côté du bouton abonner, vous avez aussi le bouton rejoindre. Et contre 4,99€, vous aurez accès à tout le contenu de la chaîne, mais en plus à du contenu supplémentaire exclusif, où je vous montrerai comment réaliser tel et tel rituel, comment réaliser des poupées, comment pratiquer, etc. Bref, je vous ai réservé plein de surprises. Mais comme je n'ai pas forcément non plus envie que ce soit diffusé sur Internet, parce que la magie et la pratique magique, ça peut rapidement donner lieu à des pratiques déviantes, à d'autres choses. Donc moi, je ne veux pas véhiculer ce type d'enseignement-là. C'est pour ça que tout ce qui sera vidéo sur la pratique de la magie, ce sera vraiment en petit comité, ce sera pour les personnes qui, voilà, qui veulent vraiment avancer dans ce milieu-là. Alors, donc du coup, pour les vidéos qui seront disponibles publiquement et gratuitement sur la chaîne, on va parler de tous les accessoires de magie, mais en parler en détail, c'est-à-dire qu'il y aura une vidéo pour chaque accessoire de magie. Je vous raconterai un petit peu son histoire, à quoi ça sert, etc., etc., comment les employer. On parlera aussi de la magie des bougies, leurs couleurs, leurs significations, on parlera de certaines plantes, etc., etc. Par contre, pour tout ce qui est recettes pratiques, recettes et pratiques et travaux pratiques, ça sera en revanche plus en privé, en petit comité. Alors, pour ce premier numéro, j'avais envie de vous parler d'un outil qui est, je pense, le plus cultissime qui soit, que vous connaissez forcément tous et toutes. D'ailleurs, on peut remercier, je pense, une série à succès il y a quelques années qui a mis en lumière justement cet objet qui était dans les ombres. Il s'agit du livre des ombres, du fameux grimoire magique. Alors, qu'est-ce que c'est que ce livre des ombres? On va essayer de démystifier tout ça, même si j'ai beaucoup de collègues youtubeurs qui en ont déjà parlé. Si vous tapez livre des ombres sur YouTube, vous devriez avoir des centaines de milliers de vidéos qui vont traiter du sujet. Donc, bah, à mon tour d'apporter cette pierre à l'édifice.
Alors, un livre des ombres, qu'est-ce que c'est? Déjà, pourquoi est-ce qu'on appelle ça livre des ombres? Ça fait très, très magie noire, très satanique, très... Alors que pas du tout, pas du tout. On appelle ça tout simplement un livre des ombres parce que c'est un livre qui est caché. C'est un livre qui doit rester dans les ombres, dans le noir, hein, qui doit rester occulté. Puisque vulgairement, un livre des ombres, c'est ni plus ni moins que le journal intime d'une sorcière ou d'un sorcier. Donc dans lequel il va y coucher absolument tout son savoir, tout ce qu'il a déjà pratiqué, que ce soit ses rituels, ses recettes de potions, etc., etc. C'est un livre qui doit vraiment être préservé des yeux indiscrets. Hein. C'est pas du tout un objet, au contraire, qu'on expose dans son salon et qu'on est fier de montrer à ses amis. Sauf s'il s'agit d'un livre entre guillemets factice, comme par exemple pour ceux qui seraient fans de Charmed et qui ont un exemplaire d'une réplique du livre officiel des sœurs Halliwell, bah c'est sûr que le livre il fait 800$. Si vous avez investi dans cette petite fortune, on est un petit peu fier de pouvoir exhiber un livre comme ça, mais qui est plus collector et goodies que réellement magie vraie. Donc déjà votre livre des ombres, ça doit être quelque chose qui doit être conservé à l'abri des regards indiscret. Traditionnellement, on fait un petit hôtel dans la chambre et on va conserver le livre dans la chambre, puisqu'en théorie, la chambre est censée être quand même le lieu le plus privé de votre maison ou de votre appartement. Vous pouvez également, si vous avez la chance d'avoir une pièce dans votre habitation complètement dédiée à la magie, vous allez bien sûr mettre votre livre dans cette pièce dédiée. Ça peut être, comme cliché avec les Halliwell, ça peut être votre grenier par exemple, pourquoi pas, hein, je vous invite à aménager votre grenier. Ça peut être aussi une cave, ça peut aussi fonctionner, hein, y a pas que le haut, il y a que le bas aussi qui peut fonctionner. Ça peut être une pièce, un petit bureau que vous avez dans votre maison, bref. Vraiment, si vous avez la chance d'avoir une pièce complètement dédiée, eh bien... mettez toutes vos affaires dans cette pièce dédiée et je vous invite à fermer cette pièce à clé pour que personne n'y accède. Les personnes que vous autoriserez à voir votre livre des ombres, ce seront vraiment des personnes que vous aurez choisies et triées sur le volet, des personnes en qui vous avez une parfaite confiance et ça c'est très difficile parce qu'aujourd'hui, on connaît jamais vraiment les gens et pour avoir totalement confiance, c'est compliqué. Donc choisissez bien les personnes avec qui vous voulez partager votre savoir et votre magie, mais moi je vous invite quand même à garder le secret pour vous, puisque d'ailleurs le garder le secret fait partie d'un des commandements Wicca, enfin d'un des commandements de la magie. Mais ça on en parlera plus tard, hein, du Red Wiccan, des quatre verbes, des quatre lois, tout ça, ça on en parlera plus tard. Donc le livre des ombres, aujourd'hui j'ai envie de vous dire, il peut prendre plein d'aspects différents. C'est-à-dire que nous vivons quand même en 2021 et concrètement, on ne trouve pas à tous les coins de rue des grimoires reliés en cuir avec du papier parchemin, etc. Ça arrive d'en trouver, sauf que par rapport à l'époque où c'était un petit peu plus facile de trouver ce type de livre parce que de toute façon, il n'y avait pas les usines, il n'y avait pas tout ça, donc les livres étaient obligatoirement fabriqués à la main. Et puis ils étaient, j'ai envie de dire, alors ça restait quand même un article qui était cher parce que justement c'était fait à la main, mais proportionnellement à aujourd'hui c'était quand même bien moins cher à l'époque du médiéval, croyez-moi, quand on voit que certains articles peuvent se vendre 3, 4, voire 500 euros pour un grimoire en format A4 avec 200 pages, bah on peut parler de produits de luxe, hein, de produits de très grand luxe, surtout que réaliser son propre grimoire c'est pas forcément très difficile. Je vous ai d'ailleurs fait une batterie, je vous ai fait 3 vidéos tuto pour fabriquer votre grimoire, je vous les glisse juste ici, vous avez le numéro 1 là, et vous verrez que c'est pas si difficile que ça. Mais j'ai envie de dire que le côté vraiment grimoire en cuir, tout ça, c'est surtout un cliché, hein. Votre livre des ombres, son pouvoir ne dépendra absolument pas de sa forme physique, ça dépendra absolument pas de ce à quoi il ressemble. Ça peut très bien être un livre en cuir, ça peut très bien être un simple cahier, hein, c'est-à-dire un cahier Clairefontaine que vous avez acheté au casino du coin, ça marche très bien. Ça peut être un cahier type Bullet Witch que vous avez customisé, ça peut être un livre un petit peu plus élaboré, pareil, que vous avez customisé, ou avec lequel vous avez fait du scrapbooking. Ça peut même être un classeur, puisque le classeur a quand même une particularité.
c'est que vous allez pouvoir enlever les pages et pouvoir en mettre de nouvelles ou changer, par exemple, votre rituel, vous le voulez pas au début, mais vous le voulez à la fin, etc. Et vous allez pouvoir moduler. Le classeur, il a vraiment cette partie très pratique où on va pouvoir moduler un petit peu les choses. Vous pouvez même utiliser, pourquoi pas, un trieur, hein, vous savez, le trieur avec les différents onglets. Comme ça, vous mettez sur vos onglets rituel, potion, sabbat, machin, et vous pouvez mettre des feuilles volantes. Ça peut être aussi très pratique. Il n'y a pas non plus de format imposé, c'est-à-dire que ça peut très bien être un tout petit livre comme ça peut être un énorme monstre. Il y a, là, pour le coup, il n'y a vraiment pas de règle, c'est vraiment à vous de le choisir en fonction de, déjà des moyens que vous avez, du budget que vous voulez mettre. Et puis de vos goûts personnels, hein, puisque j'ai envie de dire que le livre des ombres, c'est un petit peu comme dans un restaurant, ça serait l'assiette. On s'en fiche un peu de l'assiette. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans l'assiette, c'est le contenu, hein, c'est le miam miam. Et ben, un livre des ombres, c'est pareil. On peut avoir une très très belle assiette, très travaillée, en porcelaine fine, etc., avec de la dorure et tout ce que vous voulez. Si par contre à l'intérieur il y a juste deux petits pois qui se battent en duel, voilà l'assiette. Hein, voilà. Par contre, si vous avez une petite assiette qui est pas forcément très belle, mais où dedans on a de quoi manger, hein, donc essayez d'avoir cette image de l'assiette. Alors, vous pouvez également, pourquoi pas, après tout, hein, on est quand même dans un nouveau millénaire, donc on peut, la magie est modulable, hein, c'est pas quelque chose, moi je suis pas trop puriste, c'est-à-dire que oui, il est important de conserver des traditions, il est important de garder des bases, mais la magie c'est quelque chose qui se module. Je vais vous prendre un exemple très concret. Prenons les sorcières de l'époque médiévale. Très concrètement, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas d'imprimante, il n'y avait rien du tout. Donc, elles écrivaient tout à la main avec de l'encre, une plume, etc. C'était déjà contraignant. Eh bien, rien que ça, si vous proposiez à une sorcière de choisir entre une plume et de l'encre, hein, avec tous les inconvénients que ça représente, et un stylo, bah déjà, il y a de fortes chances pour que la sorcière de l'époque, elle prenne le stylo, parce que c'est quand même bien plus pratique qu'une plume et de l'encre. Hein. Et puis, par extrapolation, si vous lui proposez une imprimante qui va se charger de lui imprimer ses rituels qu'elle pourra ensuite glisser dans son livre des ombres ou de se taper des heures et des heures et des heures d'écriture, bah il y a de fortes chances pour que la sorcière médiévale elle utilise l'imprimante aussi. Donc ne culpabilisez pas en vous disant oui, moi j'imprime mes documents, je sais pas dessiner, je sais pas écrire, donc du coup je trouve des images sur internet et puis je fais un petit montage sur Word avec mon petit rituel, j'imprime et du coup ben je suis une charlatan. Non, ça fait pas de vous une charlatan. Pourquoi est-ce que votre rituel ne serait pas aussi efficace et fait avec passion? Vous pouvez très bien faire du montage avec passion. Si en plus votre truc c'est l'informatique, eh bien au contraire, utilisez votre talent dans l'informatique pour vous faire des super trucs, des super pages, des super montages, hein, quelque chose qui vous ressemble, hein, puisque je vous le redis, un livre des ombres c'est quelque chose qui doit vous ressembler. Le livre des ombres c'est l'extension de vous-même, d'accord? Donc vous pouvez vous inspirer par exemple de livres que vous avez pu voir dans des séries. Ça aussi je vous le recommande vivement, de vous inspirer de la pop culture et de vos passions. Si par exemple vous êtes fan de Charmed, rien ne vous empêche de réaliser un grimoire qui ressemblera au livre de Charmed parce que vous le trouvez beau, parce que ça vous inspire du coup la magie, etc. Dites-vous, c'est super important les sentiments que vous mettrez à l'intérieur, puisque c'est ça qui va définir sa puissance et son potentiel magique. Donc ne regardez pas un puriste qui va vous dire non, il faut que tu le fasses en cuir traditionnel, lié à la main, avec des parchemins qu'il faut que tu fasses toi-même, etc., etc. Non, n'écoutez pas ce genre de personnes qui vous disent fais comme ci, fais comme ça. Non, faites comme vous avez envie, faites comme vous voulez. Si vous voulez prendre des feuilles d'imprimante, vous prenez des feuilles d'imprimante. Si vous voulez investir dans du papier parchemin parce que ça vous plaît mieux, eh bien vous investissez dans du papier parchemin. Si vous voulez vous-même faire votre propre papier parchemin avec du brou de noix et puis après vous le passez au four, etc., eh bien vous faites ça, c'est aussi simple que ça. Et donc tout ça pour vous dire que votre livre doit vous ressembler avant tout. Donc si vous voulez pas partir sur un gros livre en cuir, vous partez sur un petit cahier, enfin voilà. Sachant que le livre des ombres, c'est vraiment un ouvrage qui est très particulier, qui est vraiment très propre, parce que dans les grimoires magiques, on va retrouver plusieurs types de grimoires. On peut retrouver les herbiers à l'intérieur, donc il y aura vos plantes que vous aurez séchées, etc. Il peut y avoir aussi les livres de potions dans lesquels vous mettrez que vos recettes de potions. Alors moi, quand je dis potions, j'englobe plein de choses. Ça peut être des crèmes de soins, ça peut être des recettes de parfums, de tisanes, de thé, de cataplasmes, de bains rituels. Ça peut vraiment être plein de choses, hein.
Pour moi, potion, je vois pas forcément le polynectar de Harry Potter. Hein. C'est pas, on peut bien sûr faire ce type de potion, puisque je vous l'apprendrai aussi. Dans les potions, on va avoir les potions dites rituelles, c'est-à-dire celles que l'on ne boit pas, mais qui vont nous aider à être une base de travail dans nos rituels, ou la potion qu'on peut être amené à boire. Et dans ce cas-là, il faut faire très attention au mélange qu'on va mettre, hein, parce que même si des plantes sont comestibles, à grosse quantité, ça peut entraîner des problèmes de santé, voire pire que ça, hein, ça peut entraîner la mort. Donc ne jouez pas aux apprentis chimistes, on fait très attention avec ce qu'on fait, d'accord? Alors, le grimoire, le livre des ombres, on a établi ce que c'était, on a établi aussi comment est-ce qu'il pouvait être. Maintenant, concrètement, qu'est-ce qu'on va y mettre dedans? Eh bien, j'ai envie de vous dire, mettez ce que vous avez envie de mettre. Il faut que votre livre vous ressemble. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, vous pouvez très bien mettre tous vos rituels. Alors des rituels que vous avez trouvés aussi, rien ne vous empêche. Si vous tombez par exemple sur un rituel, je sais pas, vous feuilletez un livre, et puis il y a un rituel qui vous plaît beaucoup, et ce rituel vous parle tellement, vous l'avez essayé, vous avez eu des résultats, et bien du coup, vous pouvez très bien prendre le rituel tel qu'il est, le recopier et le mettre dans votre livre des ombres. Ou alors, vous tombez sur un rituel qui vous plaît, mais vous avez envie quand même de vous l'approprier, donc du coup vous allez modifier deux trois choses, vous allez le customiser pour qu'il vous ressemble vous, donc vous allez prendre la base et puis vous allez un petit peu le moduler et vous allez le mettre dans votre livre des ombres. Ou alors vous voulez créer vos propres rituels, et bien là vous allez pouvoir inscrire vos propres rituels. Par contre, au préalable, je vous conseille quand même de tenir une sorte de cahier de brouillon dans lequel vous allez tester, vous allez jouer un petit peu l'apprenti chimiste et vous allez tester vos recettes, vos rituels, etc. Vous voyez si vous avez des résultats et puis ça vous permet de pouvoir soit gribouiller quelque chose pour le refaire, etc. jusqu'à trouver le truc qui fonctionne bien, le truc qui vous convient, et quand vous aurez votre rituel sous sa forme finale, vous pourrez ensuite le mettre dans votre livre des ombres. Parce qu'on est bien d'accord, un livre des ombres, c'est pas un cahier de brouillon, hein. C'est quand même mieux d'éviter de grabouiller, de barrer, de mettre du blanc, etc. Non, un livre des ombres, on va dire que c'est la forme finale de votre pratique, hein. Donc on essaie quand même de faire quelque chose de joli. Et puis ça fait aussi plaisir d'avoir un joli livre. Quand on le feuillette, on a vraiment l'impression de se trouver dans Poudlard ou dans le grenier des Halliwell. Vous voyez, il faut qu'il y ait cette magie, hein, qui soit. C'est très important. C'est pour ça que je vous dis, n'ayez pas peur d'utiliser la pop culture si vous êtes fan, si ça peut vous permettre de vous conditionner, de vous apporter une sorte de folklore qui vous permettra de vous plonger davantage dans l'univers magique. Faites-le. Au contraire, tout ce qui est propice à vous, entre guillemets, vous formater, j'aime pas ce mot, ça fait un peu lavage de cerveau, mais tout ce qui peut vous formater, vous aider à vous plonger dans l'univers, faites-le, puisque du coup, vous serez plus enclin à dégager certaines énergies que quelque chose qui vous plaît pas, hein. Donc vous allez pouvoir mettre vos rituels, vos recettes, vous allez pouvoir mettre par exemple des pierres, de lithothérapie que. Alors, on est bien d'accord que c'est pas non plus une encyclopédie, hein. Ne vous donnez pas comme objectif de vous dire il faut que je rassemble toutes les informations ésotériques qui puissent exister sur Terre et que je rassemble tout dans un livre des ombres. Non, surtout, ne faites ça, c'est l'erreur à faire. Pourquoi? Parce que d'une part, vous allez vous retrouver avec un livre qui va faire 10 000 pages, hein, qui sera épais comme ça. Donc c'est pas la peine, ça sert strictement à rien. Non. Il faut que votre livre vous ressemble, c'est-à-dire mettez les choses que vous utilisez, les choses que vous pratiquez, les choses qui vous parlent. Si je prends par exemple les pierres, ça sert à rien de faire un livre des ombres avec toutes les pierres de lithothérapie, parce que comment vous dire qu'il y a plus de 500 pierres différentes qui existent? Si vous mettez les 500 pierres différentes dans le livre, déjà, ça va vous prendre les trois quarts, voire tout le livre en fonction de son épaisseur. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Mettez les pierres avec lesquelles vous aimez travailler, les pierres avec lesquelles il y a une efficacité et avec lesquelles vous êtes connecté. Et j'ai même envie de vous dire, mettez ce que vous avez. Ça sert à rien de mettre des choses que vous n'avez pas. Mettez des choses que vous avez. Si vous avez par exemple que trois pierres, eh bien mettez vos trois pierres et vous mettez à côté de chaque pierre la description et les énergies et ce que vous en faites avec. Mais ne mettez pas des choses que vous ne possédez pas. C'est un petit peu bête en fait, parce que du coup votre livre il va davantage ressembler à une sorte d'encyclopédie ou dictionnaire avec des choses qui sont assez chimériques parce que vous ne les possédez pas, que si vous maîtrisez tout ce que vous avez, vous maîtrisez votre science, votre savoir. Donc il vaut mieux poser ce que vous avez, ce que vous possédez, au moins votre livre sera beaucoup plus efficace.
Vous pouvez bien sûr mettre un recueil sur l'astrologie, les signes astrologiques, les sabbats, les esbats. Vous pouvez vous faire aussi des calendriers lunaires sur quelques années à venir, qu'ensuite vous modulez au fur et à mesure du temps. Vous pouvez mettre des petites pages pour les interprétations de vos rêves. Donc par exemple, une page dans laquelle vous allez noter un rêve qui vous a beaucoup marqué. Et puis vous allez écrire les ressentis que vous avez eu, etc. Vous pouvez mettre bien sûr les symboliques sur les différents rêves. Il faut vraiment, vous pouvez mettre aussi des déités, vos divinités préférées, par exemple, vous êtes fan de Anubis ou de Horus, et bien vous allez les mettre. Vous êtes fan de Hécate, vous allez la mettre. Vous êtes fan de la triple lune, vous allez la mettre. Bref, vous avez compris, je vais pas tous vous les citer. N'ayez pas peur, ne vous dites pas que votre livre, il doit être dans une dynamique de quelque chose traditionnel. Non, au contraire, si vous êtes quelqu'un de très éclectique, et bien votre livre a tout intérêt à être éclectique, ça prouvera qu'il vous ressemble, qu'il est l'extension de vous-même. Mettez des choses qui vous parlent, des choses concrètes. Vous pouvez aussi inscrire dans votre livre des ombres des entités un petit peu plus sombres. Là, pour le coup, tout de suite, vous pensez à Charmed avec le livre des sœurs dans lequel on va trouver différents démons. Eh bien oui, pourquoi pas, si vous avez eu affaire à des événements paranormaux, à des expériences paranormales, vous pouvez également les coucher dans votre livre. Si vous avez rencontré des entités, vous pouvez également les inscrire dans votre livre en disant « J'ai eu l'occasion de rencontrer telle entité qui s'était manifestée comme ceci, j'ai essayé tel rituel, ça a porté ses fruits, il y a eu un résultat, donc vous mettez le rituel que vous avez utilisé. » Puisque dans l'optique, un livre des ombres, c'est un héritage, c'est quelque chose qui peut et qui doit se transmettre. C'est-à-dire que si vos enfants plus tard décide de se lancer dans cette branche, surtout si vous-même vous développez un potentiel magique, il y a de fortes chances qu'en ayant des enfants, vous transmettez une partie de vous et du coup vous transmettez une partie de vos énergies magiques. Donc il est possible que vos enfants plus tard eh bien reprennent le flambeau ou soient intéressés, ou tout simplement le jour où vous partez ou vous quittez cette terre, qui puisse avoir une trace de vous. Vous imaginez recevoir ça de la part de votre maman, de votre grand-mère ou de l'arrière-grand-mère, et vous découvrez du coup toute la personnalité de votre grand-mère, vous découvrez son époque, vous découvrez ce à quoi elle croyait, ce qu'elle pratiquait, etc. Rien que pour ça, en fait, c'est magique de découvrir, bien, votre grand-mère. Vous n'avez pas eu la chance de la connaître, si je prends mon exemple, vous n'avez pas eu la chance de connaître votre grand-mère, et là, vous héritez de son grimoire magique. Mais c'est fabuleux, parce que du coup vous aurez l'occasion de découvrir votre grand-mère à travers son grimoire, et vous allez même la découvrir une partie très intime d'elle. C'est-à-dire que votre grand-mère, elle a peut-être passé sa vie à donner une certaine image d'elle, alors que en fait c'était une sorcière qui pratiquait plein de choses, et vous allez découvrir une facette d'elle que personne ne connaissait. Donc c'est pour ça que le grimoire, il doit avoir cette essence magique, dans le sens où lorsque vous allez le réaliser, ne pensez pas spécialement à vous, mais pensez à plus tard. Pensez lorsque vous le transmettrez, qu'est-ce que vous avez envie de transmettre, qu'est-ce que vous avez envie de laisser à l'intérieur de votre grimoire, quelle image vous voulez qu'on reflète, qui soit reflétée de vous. Est-ce qu'on part sur une sorcière très gentille, genre Glenda, la gentille sorcière du Nord, ou est-ce que vous voulez partir sur la méchante sorcière de l'Ouest? Vous voyez ce que je veux dire? Donc un grimoire, voilà, il doit être réalisé pour vous, par vous, mais aussi dans l'optique de qu'est-ce que je veux transmettre, qu'est-ce que je veux laisser derrière moi. C'est pour ça qu'un grimoire, j'ai toujours pensé qu'un grimoire, c'était le travail d'une vie. Alors il va y avoir des sorciers ou des sorcières qui sont très 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 productifs et qui vont faire plein de grimoires tout au long de leur vie parce qu'ils adorent écrire, parce qu'ils apprennent plein de choses et parce qu'ils adorent tout consigner, et on va se retrouver avec des bibliothèques entières de livres des ombres. Mais pour moi, là pour le coup, c'est peut-être mon côté un peu puriste, un peu traditionnaliste, c'est-à-dire que pour moi un grimoire, je trouve encore plus spécial quand vous en avez qu'un seul. C'est votre grimoire de toute votre vie, et ça va être votre travail, parce que l'apprentissage se fait tout au long de la vie. On apprend tout au long de sa vie, on continue d'apprendre. Et ce qui fait que même à 80 ans, vous pouvez encore écrire un rituel, vous pouvez encore apprendre quelque chose, surtout qu'on évolue nous-mêmes avec le temps. Et notre société évolue aussi avec le temps.
Donc ça peut être intéressant de voir eh bien votre grimoire. Vous l'avez commencé par exemple en l'an 2000 et puis vous allez le finir en 2060, en 2070. Ça pourrait être super intéressant quand vous allez regarder vos premiers rituels de voir vous-même votre évolution, votre apprentissage, comment les choses ont évolué, ce en quoi vous croyez et puis que peut-être la science aura démystifié, donc du coup il y aura plus de raison d'y croire. Par exemple les fantômes, aujourd'hui les fantômes c'est quelque chose de paranormal, mais peut-être que la science, dans quelques années, elle va expliquer que les fantômes n'ont rien de paranormaux et que peut-être il s'agit d'une sorte de bug, hein, un bug dans la matrice. Peut-être que nous vivons dans un certain plan et puis qu'à côté de nous, il y a une autre planète qui est identique à la nôtre, mais qui vit dans un autre plan. Et les deux plans, parfois, eh ben, comme un ordinateur, il peut y avoir un bug, une espèce de faille qui fait qu'il va y avoir, je sais pas, une sorte de projection d'une personne dans notre plan qui va, pour nous, se manifester sous la forme d'un fantôme, alors que peut-être ce n'en est pas un, hein, peut-être que c'est quelqu'un bel et bien physique, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est intéressant aussi pour ça. Un grimoire, ça vous offre cette évolution temporelle de voir eh bien nos croyances, comment est-ce qu'elles peuvent évoluer et vers quoi elles ont abouti plus tard. Ensuite, qu'est-ce que vous allez pouvoir utiliser? Votre grimoire, très souvent vous verrez que au début vous allez beaucoup écrire. Et puis alors, le grimoire, c'est intéressant parce qu'on écrit beaucoup, mais concrètement, on l'utilise très peu. Pourquoi ? Ben, j'ai envie de vous dire, tout ce qui est écrit dans votre grimoire, ce sont des choses que vous connaissez, ce sont vos pratiques à vous. Donc, vous n'avez pas besoin de votre support, vous n'avez pas besoin de votre grimoire pour faire telle recette ou pour faire tel rituel, puisque c'est votre rituel, c'est même vous qui avez créé certaines choses. Donc, vous n'avez pas besoin de repiocher dans votre livre pour voir comment que ça se passe. Hein. Donc, c'est assez intéressant, en fait, un grimoire, de voir que vous passez beaucoup plus de temps à y écrire des choses, à y consigner des choses, que véritablement à l'utiliser. Par contre, plus tard, lorsque vous léguerez, les personnes qui vont en hériter, elles vont beaucoup y piocher dedans, puisque lorsqu'elles vont découvrir la magie, qu'elles vont faire leur chemin d'apprentissage, elles vont devoir s'inspirer de tout ce qu'il y a à l'intérieur. Aussi, ce qui est important, ne vous sentez pas aussi obligé de mettre des choses parce qu'il faut les mettre. Hein. Par exemple, moi je sais pas si je vous parle du Red Wiccan, si je vous parle des quatre lois magiques, etc. Ne vous sentez pas obligé de les mettre parce que quelqu'un vous a dit qu'il fallait les mettre ou parce que dans une vidéo sur YouTube quelqu'un vous a dit qu'il fallait les mettre. Non, si vous n'avez pas envie de les mettre, ne les mettez pas, tout simplement. C'est encore une fois, je vous le dis, votre livre doit vous ressembler. Donc ne mettez pas les choses pour les mettre. C'est pas, comment j'ai envie de vous dire, un livre des ombres, c'est pas forcément une notice, vous savez, comme pour monter un meuble. Non, il n'y a pas de protocole. Pareil, ne vous sentez pas obligé de classer votre livre, c'est-à-dire premier chapitre, vous faites un lexique, premier chapitre, les rituels, deuxième chapitre, les potions, troisième chapitre. Non, si vous avez envie que votre livre soit un bazar parce que vous-même, vous êtes un bazar ambulant, eh bien, faites votre livre comme un bazar ambulant. Si au contraire, vous êtes quelqu'un de très carré, très organisé, très machin, et ben votre livre vous ressemblera, il y aura un lexique, il y aura un sommaire, il y aura, ça sera tout notifié, il y aura peut-être même des petits intercalaires, etc. Voilà. Mais ne vous forcez pas à être ou à faire quelque chose qui ne vous ressemble pas parce que ça va se ressentir dans votre ouvrage. Hein. C'est vraiment important. Et ensuite, votre livre, il faut que vous soyez vraiment connecté avec lui. N'ayez pas peur. Alors là, je vais passer pour quelqu'un de farfelu, mais j'ai envie de dire, vous avez l'habitude. N'ayez pas peur de, par exemple, dormir avec. Moi, ça m'est arrivé. Alors, plus aujourd'hui parce que je vais pas mettre le grimoire entre Cédric et moi, mais ça m'est arrivé quand j'étais seul, quand j'étais célibataire, d'avoir mon livre avec moi. Et ça permet en fait de renforcer la connexion, de créer un lien très particulier, un lien très fort, puisque en fait c'est, comme je vous l'ai dit et redit, c'est une extension de vous-même. Donc n'ayez pas peur, comme votre oracle, hein, votre oracle vous le trimballez partout avec vous, et eh bien n'ayez pas peur, votre grimoire, de le trimballer partout avec vous. Alors attention, là il y a deux écoles. Il y a ceux qui vont vous dire que le grimoire, il doit rester à l'intérieur de la maison, qu'il ne doit pas quitter la maison et que c'est comme ça, c'est les règles, c'est... Non, alors déjà, il y a pas un tribunal de sorcières qui a imposé une loi en disant « Le livre des ombres ne sortira pas sous peine de malédiction mortelle. » Non, personne n'a instauré cette règle. Si votre grimoire, vous avez envie de l'amener partout avec vous, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous partez, vous baladez en forêt,
Vous avez envie d'écrire une page, vous êtes comme ça en train de méditer, de contempler la nature, et là ça vous inspire un poème, une formule, quelque chose, un rituel, bah pouf, vous allez l'écrire. Ou alors vous avez simplement envie de d'exprimer ce que vous ressentez. Si vous ressentez un immense bonheur à ce moment-là, vous mettez telle date, je suis dans cette forêt qui m'inspire beaucoup de bonheur, beaucoup de bien-être, etc. Puis vous décrivez le sentiment que vous vivez à l'heure actuelle. Vous voyez, donc il n'y a pas de règle qui vous dit non, tu le laisses là, tu le bouges pas, tu non, ça c'est dans les fictions, c'est dans les films. Hein. Et puis il faut pas rentrer dans ce côté un petit peu sectaire. Hein. C'est là que ça peut donner place à certaines dérives. Non, ne vous sentez pas obligé. Si votre livre des ombres, surtout en plus si votre livre des ombres c'est par exemple un petit carnet en format A5, vous pouvez facilement le mettre dans votre sac. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, c'est sûr que si votre grimoire il fait 80 cm par 50, forcément oui, ça va être un petit peu plus compliqué. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, tout ça pour résumer que votre livre, il y a plein de clichés, il y a plein de choses qui tournent autour de lui, plein de mythes, alors que finalement, c'est juste un journal intime dans lequel vous allez consigner ce que vous avez envie de mettre et partager ce que vous avez envie de partager, transmettre ce que vous avez envie de transmettre et surtout qu'il vous ressemble. Donc c'est pour ça, ne vous prenez pas la tête sur son format, ce qui compte c'est son contenu et non le contenant. Tant que votre livre vous plaît, si vous aimez les choses simples et que vous avez par exemple comme ça, voilà, un petit carnet avec juste une petite couverture en cuir toute classique, vous avez collé une petite pierre, je sais pas, une petite lapis lazuli, vous avez dessiné un petit pentacle. Mais si ça vous plaît, on s'en fout de savoir que le voisin ça va pas plaire, c'est pas son livre, c'est pas son grimoire, c'est le vôtre. Bon ben on s'en fiche, concrètement on s'en fiche. Et puis pareil, moi j'ai envie de vous dire de ne pas l'exposer. Je vais prendre un exemple très concret. Je vous avais fait une vidéo de mon ancien livre des ombres, celui qui est derrière moi, pourquoi je vous l'avais exposé, pourquoi je vous l'ai mis en vidéo, parce que ce livre là à l'heure actuelle, je ne l'utilise plus. Pourquoi ? Parce que c'est une autre époque. C'est une autre époque de ma vie. J'étais plus jeune et je me sens plus. Alors c'est pas que je me sens plus connecté, mais tout simplement j'ai l'impression qu'il a fini sa tâche, qu'il a fini ce qu'il avait à faire. Tout simplement. Donc aujourd'hui, je lui ai donné sa retraite depuis 2-3 ans. Et depuis que j'ai fait celui-ci, par exemple celui-ci, là, le dernier que j'ai réalisé, je ne montrerai pas le contenu. Enfin, en tout cas, pas publiquement. Après, c'est pas dit pour ceux qui ont rejoint la chaîne, pour ceux qui sont abonnés, hein, abonnés, souscripteurs. Il n'est pas dit que je ne vous montre pas l'intérieur du contenu parce que vous êtes, entre guillemets, mon Cowen et que du coup, j'ai confiance en vous. Mais en revanche, voilà, jamais je ne ferai la review de mon livre publiquement en montrant actuellement qui je suis. Ça, non. Et vous devez être dans ce même état d'esprit, c'est-à-dire que vous partagiez avec des membres de votre Cowen, c'est normal, j'ai envie de dire, et encore vous n'y êtes pas obligé, donc ne vous sentez pas obligé. Si vous avez envie de partager ça avec votre meilleur ami, eh bien vous pouvez le faire aussi, mais pareil, vous n'y êtes pas obligé. Vous pouvez garder votre livre de façon très égoïste parce que vous n'avez pas envie de le partager pour le moment. Hein, vous vous dites, quand je serai mort, ils auront déjà bien l'occasion de pouvoir fouiller dans mon livre tout ce que j'avais écrit, mais de mon vivant, pour l'instant, personne n'y touchera et personne ne le verra. Bah, c'est votre choix et personne n'a apporté de jugement là-dessus. Et puis si au contraire vous avez envie de l'exposer, alors faites attention parce que un livre des ombres c'est quand même une partie très intime de vous. C'est vous en fait, hein, c'est votre propre projection. Donc évitez de l'exhiber. Est-ce que par nature vous êtes quelqu'un qui aimait l'exhibition? C'est-à-dire que est-ce que vous metteriez nu sur la place publique avec un haut-parleur en disant hey regardez-moi, regardez. Je pense que vous ne le feriez peut-être pas. Eh bien, votre livre des ombres, c'est le même principe. C'est-à-dire que si vous le montrez à tout le monde, ça revient à vous mettre à nu et vous dévoiler. Et puis voilà, niveau karmique, c'est pas forcément le meilleur aussi à faire. Surtout que être sorcière aujourd'hui, être sorcière ou sorcier, même si y a une certaine forme de mode, même s'il y a un certain engouement, on passe quand même encore toujours pour des illuminés, pour des gens bizarres, voire pour des charlatans, etc., etc. Dès que vous dites je suis sorcière, je suis sûr que la première réaction, même si c'est gentil, même si c'est bienveillant, la réflexion elle est quand même dite. On va peut-être vous dire il est où ton balai, tu sors tous les soirs à Califourchon sur ton balai, et il est où ton chat noir, vous voyez. Alors même si c'est gentil, même si c'est de l'humour,
pas forcément de la moquerie méchante, mais juste le fait de le dire, cette réflexion, c'est une réflexion, vous voyez, et ça véhicule quelque chose de négatif, ça véhicule quelque chose de péjoratif, parce que du coup, ça veut dire que votre ami, même si c'est votre meilleur ami d'enfance, le fait qu'il ou elle vous fasse cette réflexion, bah, quelque part, il se moque un petit peu de votre pratique, de votre foi, de votre conviction, puisque lui-même ou elle-même est empreint de clichés et de jugement, tout simplement. Donc du coup, il véhicule ça, vous voyez ce que je veux dire. Et vous, ça peut un petit peu vous bloquer, alors même si vous ne le prenez pas mal, que vous allez y répondre sur le ton de l'humour, ça peut vous bloquer et vous dire « Bah ouais, il a raison, en fait, je suis débile avec mon chat, je suis débile avec mon balai, je me prends pour Harry Potter, en fait, je suis nul. » Non, vous voyez, c'est dommage parce que vous pourriez passer à côté de quelque chose qui était très important, puisque si c'est votre foi, si c'est votre conviction personnelle, autant ne pas vous en priver. Voilà donc mes chers amis pour cette petite démystification autour du livre des ombres. J'espère que je vous en aurai appris un petit peu plus. Ne vous inquiétez pas, il va y avoir d'autres vidéos pour qu'on puisse parler eh bien, de la tamée, du calice, la baguette, etc. etc. Donc il y aura toute une batterie de vidéos là-dessus. Et pour ceux qui ont rejoint la chaîne en termes de souscription, eh bien vous aurez en plus du contenu sur comment réaliser des rituels. Je vous montrerai du coup comment on peut passer à la pratique, qu'est-ce qu'on peut y mettre concrètement dans son livre des ombres. Et puis voilà, mais ça, je vous laisserai découvrir tout ça avec le temps. En attendant, je vous embrasse fort et je vous dis tous à très bientôt.